Bye. <music> Bonjour, avec moi aujourd'hui Roland Laffitte. Bonjour. Qui euh, vient de sortir un livre euh, qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais qui est très utile pour euh, la grande majorité, je pense, parce qu'il met les points sur les i à propos de trois notions, antisémitisme, judéophobie, islamophobie, quelques mises au point. Donc, euh, Roland est venu euh, euh, jusqu'à Bruxelles pour nous en parler. Euh, deux mots pour ceux qui ne le connaissent pas. Roland, euh, c'est un auteur avec euh, de multiples facettes. Il a publié euh, plusieurs livres. Moi, personnellement, c'est avec celui-là que je l'ai connu, euh, L'Irak sous le déluge, écrit avec son épouse. Euh, ça, c'est au moment de la première guerre du Golfe, lorsque moi-même, euh, j'ai préparé un livre qui s'appelle Attention Médias et donc nous sommes entrés en contact et nous avons beaucoup échangé. Ça a été très, très utile pour moi. Pour comprendre la situation. Ensuite, euh, il y a eu beaucoup de livres, j'en montrerai récemment quelques-uns États-Unis, la tentation de l'Empire Global en 2003. Euh, plus récemment, en deux tomes, L'Orient d'Ismaël urbain d'Égypte en Algérie. Ça, c'est une histoire de très curieux colons français qui vont s'installer en terre arabe et qui il arrive beaucoup de choses intéressantes. Et puis, euh, Roland a aussi écrit tout récemment, voyage au pays de l'islamophobie accompagné d'un lexique raisonné. Vous voyez, c'est quelqu'un avec des zones d'intérêt multiples et beaucoup de connaissances aussi parce qu'en bavardant avec lui, j'ai appris qu'il avait écrit un livre sur l'astronomie arabe qui euh, nous montre qu'en fait, on nous dit les Grecs ont tout inventé, mais ça c'est un peu, un peu ethnocentrique. Un peu. Oui, <laughs> voilà. Donc, euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a comme ça un background, qui a quelqu'un... Euh, des connaissances très euh, approfondies sur certains sujets, ça donne du poids à ce qu'il raconte. Et dans ses articles, je cite deux, trois, qui montrent un peu ses euh, zones d'intérêt, ses zones de compétence. Euh, entendre le hurlement de vie des banlieues, le drame palestinien responsabilité de l'Occident, banlieue des villes, banlieue du monde, l'évangile, le Coran et la République, l'islamophobie, un racisme imaginaire, point d'interrogation et la colonisation est bien un crime contre l'humanité. Il a un blog à son nom, Roland Lafitte, dont vous pouvez voir ça. Donc, en résumé, c'est un peu un citoyen de la Méditerranée avec un pied de chaque côté et qui essaie justement d'établir des ponts entre des même, gens qu'on voudrait opposer. Même, même du monde parce que euh, j'ai fait des études sur la Chine, ça m'a beaucoup intéressé. Sur la Chine. Et ce bon. qui m'a détourné de la Chine, c'est la guerre, la guerre du Golfe en 91, Sinon, je vais me plonger vers... Encore une responsabilité de bouche. Bien, il va falloir voilà. alerter Roland sur d'autres thèmes. En attendant, aujourd'hui, on se concentre sur ça. Antisionisme, judéophobie, islamophobie. Je viens de le parcourir. C'est édité chez Scribest. Je vous le recommande fortement. On y apprend plein de choses. C'est un peu un livre impressionniste avec des petites touches comme ça un peu partout. Vous verrez à la table des matières. Vous apprenez plein sur beaucoup de choses et c'est très, très utile. Mais on va se concentrer pour commencer sur les trois termes du titre. Trois termes qui font peur, on ne va pas le cacher. Euh, Antisionisme, géléophobie et islamophobie. Est-ce que tu pourrais les définir pour commencer, eh ben, pour être précis ben, euh, Antisionisme, c'est d'abord sionisme, sionisme hein, qu'il faudrait définir. Oui. Le sionisme, c'est euh, l'idée politique selon laquelle les juifs ont besoin d'un État séparé, mm -hmm. à part, en Palestine. Qui n'est pas l'idée de tous les juifs euh, Non. Il a été l'idée ultra minoritaire jusqu'à 1848, on peut dire. Et encore maintenant, il y a Jusqu'à 1948. 1948. Voilà, et encore maintenant, il y a, quand il, y a même, il y a plusieurs courants, courants euh, anti-sionistes, de juifs voilà. anti-sionistes. Dont on parle presque pas à la télé. Non, c'est pas, pas très à la mode. Okay. Euh... Donc, l'antisionisme, c'est simplement le refus de cette, le, le refus de ce, de cette idée. Alors, simplement. la judéophobie, pourquoi ne pas avoir mis antisémitisme Alors, parce que antisémitisme, c'est un mot qui ne veut, qui veut rien dire du point de vue linguistique. Il mm -hmm. y a plein de confusion dedans. Nonsémitisme et antisémitisme, c'est plein de confusion. Parce que ça implique une vision racialiste, euh, alors qu'il y a des langues sémitiques il n'y a, mm -hmm. a pas de race sémitique. Bon. Et c'est quoi les langues sémitiques Alors, les, et encore aujourd'hui, on les appelle langues euh, afro-asiatiques, c'est-à-dire c'est les langues du Moyen-Orient, en gros. Mm -hmm. C'est des langues sémitiques. Voilà, l'arabe, l'hébreu, l'acadien, l'araméen. Donc euh, si on euh, voudrait prendre au sérieux ce mot antisémite, il faudrait dire que c'est le racisme anti-arabe aussi. Oui, mais ça veut si rien on dire. Voulait. Alors donc, mm. c'est un mot, je, je réserve le mot antisémitisme à la vague, de l'anti-judaïsme militant et raciste euh, qui, a dans, qui a culminé dans la Shoah. Oui. D'accord, celui-là, je veux bien l'appeler en Stibib, je ne peux pas aller contre les mots. Mais sinon, les judéophobies sont multiples mm -hmm. dans l'histoire. Il euh, mm -hmm. des... La judéophobie, c'est le fait de ne pas aimer les juifs. Bon, enfin, comme religion, c'est une chose. Mm -hmm. Comme religion, euh, le, le christianisme est judéophobe, l'islam est judéophobe. Euh, y, par principe, on peut dire dans le, sinon il y aurait la même religion mais mm -hmm. la question de la judéophobie est grave comme l'islam l'islamophobie d'ailleurs mm -hmm. le jour où une, une critique d'une idée, d'une religion devient une critique sociale lorsqu'il y a ethnicisation mm -hmm. des juifs ou il y a ethnicisation des musulmans et où la, la judéophobie cache un racisme Mmh. C'est-à-dire c'est un terme qui a c'est un terme à double détente donc judéophobie mmh. et islamophobie il euh, y a la critique euh, intellectuelle d'une croyance mmh. très bien ce, ça mange pas de pain c'est possible ça gêne personne sauf ceux qui se trouvent critiqués mmh. mais il y a aussi une critique sociale et c'est ça qui est, qui est problématique parce que ce sont deux formes de racisme on mélange la religion et on mélange ah ben on, on, on s'en sert selon les besoins mmh. euh, chacun Va, se, va utiliser en disant « mais non, là c'est la religion, donc vous n'avez pas le droit, là c'est… » Bon, il y a un jeu de cache-cache, euh, complètement malsain, pervers, euh, sur les deux termes. Et euh, l'islamophobie ben, L'islamophobie, là c'est pareil, un... ne pas aimer l'islam est, une... est un droit, on pourrait dire, euh, on peut aimer ou ne pas aimer, euh, bien que l'islam ce soit une sagesse humaine, il et... Et y a à boire et à manger dans toutes ces gestes humaines, je pense. Mais euh, ça se complique du fait que euh, l'islamophobie, euh, euh, les, les Français ont créé en 1980 en Algérie un statut des musulmans qui sont des sujets français. Mmh. C'est-à-dire même les musulmans qui s'étaient convertis au christianisme étaient restés des musulmans. C'est une ethnicisation mmh. et infériorisation. Donc c'est bien un racisme institutionnel qui a aujourd'hui une inertie euh, terrible, comme on le voit. Et là aussi, ce n'est pas la peine de jouer sur les mots. On dit que mmh. l'islamophobie a été inventée par les musulmans, par les iraniens, par les islamistes, pour éviter qu'on critique l'islam. Non, bien sûr qu'il y en aura des gens qui se servent, euh, qui, qui se servent de ça. Mais pas, le, du, du point de vue social, ce n'est pas ça. Mmh. Ce que nous vivons en Europe comme islamophobie aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est un, un véritable racisme, c'est une variété de racisme. Et qui sert à quoi bah euh, Beaucoup à détourner des, <laughs> des luttes sociales. À des beaucoup, des... beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la diversion. Okay. Oui, oui. Bien, voilà des définitions euh, claires. Je remarque une chose, c'est qu'il n'y a pas les interventions du public et les questions. Donc je suppose qu'il y a un problème de connexion quelque part. On verra bien. Mes amis peuvent toujours m'envoyer un texto euh, s'ils si, euh, ont ce problème. On continue. De toute façon, l'émission sera rediffusée sur YouTube et euh, on enregistrera vos questions. On pourra y répondre aussi. Bien. Alors, on va commencer par l'histoire de l'antisionisme. Euh, moi, ça m'arrive d'aller de temps en temps parler dans des écoles à des jeunes de 16, 17, 18 ans. Et ce que je remarque, c'est souvent une confusion. Parce que je commence toujours par donner la parole aux jeunes sur ce qu'ils pensent de l'actualité, des choses qui se sont passées au Moyen-Orient, tout ça. Et souvent, on me parle de euh, les Juifs. Et quand je dis, euh, vous voulez dire les Juifs, vous voulez dire les Israéliens, vous voulez dire les Sionistes, à ce moment-là, je vois dans le regard des jeunes, ah, tiens, est-ce qu'il y a une différence Et ils ne se sont pas posés la question. Ça, c'est un peu un piège. Est-ce que justement, on peut dire de quoi il s'agit là-dedans Bon, alors. Euh, oui, alors aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont besoin de la confusion, mm -hmm. notamment les sionistes. Parce qu'ils disent, euh, aujourd'hui, c'est vrai depuis 50 ans maintenant, la propagande israélienne a lancé l'idée que l'antisionisme, c'est-à-dire se prononcer contre la, la, la politique d'Israël, et encore là, il y a plusieurs euh, degrés. degrés et versions, c'est de l'antisémitisme. C'est-à-dire mmh. qu'on ramène ce que Maxime de Rodinson appelait l'antisémitisme éternel. Euh, D'après les tenants de l'antisémitisme mmh. éternel, euh, tous les peuples sont antisémites depuis que, que Moïse euh, est descendu du Mont Sinaï, euh, parce qu'on n'a pas aimé le rapport qu'avaient les Juifs avec le bon Dieu. Bon, enfin, tout ça, c'est des... Des, des histoires. Mais les Juifs sont des Juifs de religion. Mmh. D'accord euh, Le fait qu'ils aient formé à certains moments quelques communautés particulières, Mmh. dans l'histoire de l'Europe, notamment, mmh. et eh bien, a fait qu'il y a eu cette idée d'en faire un peuple à part. Non seulement euh, chez les, comment dire, chez des ennemis et les adversaires euh, des Juifs, mmh. qui ont voulu en faire un, une race à part, un peuple à part, mais aussi chez les Juifs sionistes, pas simplement chez les Juifs sionistes, chez des Juifs qui... Euh, euh, qui revendiquaient une, une personnalité culturelle, mmh. même contre, au moment de la Révolution française. Il y a eu Un beaucoup peu. de débats dans la communauté. Il y a eu énormément de débats. Mmh. Il y a eu les juifs assimilationnistes, et même ceux qu'on appelle assimilationnistes revendiquaient une personnalité culturelle. Mmh. Quand, ce, exactement le même débat qu'aujourd'hui pour les musulmans. Il y a des gens qui disaient rien pour, rien pour les juifs comme, euh, comme nation, c'est-à-dire comme communauté, on dirait aujourd'hui, mmh. tout comme individu. Ça, c'est la théorie euh, qui est sortie de la Révolution française et qui est une interprétation de cet universalisme exclusiviste qui fait qu'il euh, mmh. y a une seule communauté en France, c'est la, la France. C'est-à-dire qu'il nie tout particularisme régional, linguistique, culturel, à toute, euh, mmh. toute coloration, que ce soit les juifs, que ce soit les... Comment dire, les, les musulmans ou autres. Hein. Creusons un peu justement l'origine du sionisme. Euh, on a l'impression que le sionisme a commencé en 1948 avec la création d'Israël, ou alors en 1895, lorsque Herzl, qui est le, le meneur, on va dire, de la tendance sioniste chez les Juifs, euh, organise le congrès de Bâle et dit voilà, il nous faut une patrie, on va aller en Palestine. Donc on a l'impression que ça vient des Juifs et que ça vient de 1895, on va dire. C'est juste historiquement Chez les Juifs, oui, chez les Juifs. C'est Herzl, l mm -hmm. il, il crée la notion d'État juif. Mais avant, il y a eu Hess, quand même. Mm -hmm. euh, Moshe Hess. Ça, je crois qu'il faut expliquer parce il que c'est pas connu. Alors, c'est un, un bonhomme, un Allemand, euh, qui était euh, dans la, les lumières euh, juives qu'on appelait la Scala. Mmh. les Lumières juives, et qui était intégrationniste, qui était assimilationniste. C'est lui qui a entraîné euh, Marx euh, dans, vers le socialisme, le communisme, etc. Mmh. Et puis, vers, dans les années 60, il, il est revenu sur l'idée de lutte des classes, Oui. alors qu'à la mode, euh, les gens qui interprétaient l'histoire comme lutte des classes, comme Guizot, l'historien français qui a été ministre, euh, à la suite d'Augustin Thierry, au départ, il partait de lutte des races. Mmh. Et il est passé à la lutte des classes. Et euh, S fait exactement le contraire. Le contraire de Marx. Il, 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 passe, il passe de la lutte des classes à la lutte des races. Il revient à la lutte des races et il dit les Juifs, c'est une race à part, un, un peuple à part. À l'époque, faisons pas de différence entre peuple et race. On n'a on a pas la codification qu'on a par la suite. Mmh. Mais un, euh, et, il réclame un statut à part pour les Juifs mmh. et un État. Donc Herzl a, a pris sa source sur quelque chose qui a été fait 30 ans plus tôt. D'accord. Mais c'est la première manifestation qu'on a. Il y a un pressionnisme, on pourrait dire là, mm -hmm. un mais qui n'est pas du tout, qui est ultra-minoritaire chez les Juifs. Oui. Euh, oui, il y a beaucoup de gens qui vont s'opposer au projet de Herzl, même au projet de Rothschild euh, précédemment. Bien sûr. Bien sûr oui. euh, J'ai trouvé une citation euh, tout à fait étonnante dans, euh, dans le, le bouquin. Euh, que tu as signé, de Churchill, si j'arrive à retrouver la page, je l'avais notée mais je ne la trouve plus, mmh. euh, mais peut-être tu la Le, connais. L'oncle, l'oncle. L'oncle, oui, pas Churchill lui-même. Voilà, la citation, mmh. enfin ce n'est pas une citation, euh, j'ai appris qu'en en fait euh, Charles Henry Churchill, l'oncle de Winston, mmh. avait euh, proposé euh, en fait, d'installer les Juifs en Palestine, mais en 1842. Donc là, je suis surpris parce que c'est beaucoup plus tôt. Et en oui, plus, mais même c'est pas un juif. Non. Euh, est-ce qu'on peut déjà expliquer cette. Euh, je sais que Napoléon ça, aussi, il y a eu des trucs, mais est-ce que. Non, peut déjà Napo non tout ça, Napoléon, ce n'est pas vrai. Il faut dire. Bon, on, racont, on raconte beaucoup de choses. Mm -hmm. Napoléon, ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas du tout vérifié. OK, mais Churchill. Alors, il faut, mais... il faut parler de Palmerston. Mm -hmm. Donc il est ministre en 38-39. En 38-39, il s'agit. D'éliminer euh, euh, Mohamed euh, Ali, Mehmet Ali, comme on dit, qui avait oui. conquis, qui avait conquis euh, la, la Syrie. C'était un Égyptien avec le début d'un grand empire au Moyen-Orient. Enfin, oui. On en parle, alors, il, qui... a voulu, il a commencé à créer un grand empire que les Britanniques ont détruit. Oui, alors, mm -hmm. euh, les Britanniques, ils ont pour euh, leur but, c'est l'Inde. Oui. Il y a deux routes de l'Inde. Il y a l'Égypte et il y a la Syrie. Mmh. La Syrie par Alep oui. et le l'Euphrate, et puis Bassora. Je rappelle pour euh, les jeunes que l'Inde était en fait la principale la source de revenus de l'économie britannique au développement du capitalisme au moment où Marx le décrit. Ça rapportait plus que les usines en Angleterre, et donc cette route pour l'Inde était pour eux vitale. Ah oui. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que sur euh, les. les... Les, euh, ils sont contre le canal de Suez là, euh, qui est plus ou moins qui a été vu par Napoléon et qui est vu par les les, enfantiniens, les, les Il y a une bataille entre Londres et Paris pour le contrôle de la route. Voilà, donc les, les Français sont à peu près chassés. Ils perdent la... Lorsque les Anglais interviennent pour chasser euh, Mehmet Ali, Mohamed Ali de Syrie en 1839, il est rabattu sur euh, l'Égypte. Oui. Et les Français, avec, les Français qui le soutenaient avec, euh, avec lui. Mm. Et ils ouvrent euh, la, la Syrie. Alors, pour être sûr, parce qu'ils disent que la Syrie, c'est un peuple, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de peuple là, c'est des, des populations qui ne se connaissent pas d'un village à l'autre, il n'y a rien. Pour mm. unifier tout ça, on va mettre les Juifs et on va ah, installer, oui. on va installer euh, comment dire, les Juifs en Palestine, centre d'un État que certains verront même jusqu'à jusqu'à la Turquie, hein. c'est-à-dire tout le Moyen-Orient de, devrait être, selon les Anglais, une grande euh, Syrie, mais au service des Britanniques. Une grande Syrie euh, dirigée par les par les, par les juifs euh, du mm -hmm. monde entier qui vi viendrait là et euh, euh, comment dire qui serait euh, qui serait euh, soutenu euh, qui serait soutenu par euh, la grande Et donc ça c'est le projet déjà vers bah, alors, 1840. Oui alors et... par, par euh, Churchill lui qui est un, qui est consul à Cognac. Mm -hmm. À Damas et à Konya, mais reprend cette idée de Palmerston, tout simplement. Mm -hmm. Et, il, et il, il essaie de voir, et, et il, comment dire, il travaille avec Rothschild, Montefiore, etc., pour le persuader qu'ils qu aillent s'installer en Palestine. Les autres sont extrêmement réticents. Ils sont extrêmement réticents, ils sont extrêmement prudents, ils disent oui, on veut bien nous. Euh, donner de l'argent pour que les, les juifs de Palestine, pas simplement hein, de Tunisie, etc., tout l'Empire musulman soit, soit bien prêté, on leur fait des écoles, des mm -hmm. écoles agricoles, on, mais il n'y a pas l'idée d'installation des juifs en Palestine. Il faudra attendre que le sionisme, à par, à, après Herzl, commence à, commence à gagner pour qu'il y ait des financiers juifs qui se mettent à, à, à acheter des terres pour, non pas pour, euh, pour les juifs de Palestine, mais pour les Juifs qui viennent s'installer les... en Palestine. Donc c'est très intéressant de savoir qu'en fait l'idée ne vient pas de Juifs non. sionistes, l'idée vient des grands colonialistes impérialistes. Euh, euh, et, britanniques, se... essentiellement. et le sionisme se love dans l'impérialisme britannique, oui, essentiellement. On peut, on peut dire c'est la formule que j'ai utilisée déjà depuis des années à l'époque. Euh... Dans cet article que tu as rappelé en 89, oui. où je parle de, de, de la Palestine. Alors, il y a un parallèle que je trouve très intéressant pour bien faire comprendre comment est né le projet des sionistes, c'est euh, cette autre citation euh, que j'ai découverte dans ton livre. Ariel Sharon, donc euh, le bourreau de Sabra et Chatila, le premier ministre israélien pendant très longtemps, un des principaux dirigeants euh, du sionisme, a Déclaré à Jacques Chirac en 2001, euh, disant Voilà, nous, on a tiré les leçons de vous, les Français qui avaient échoué en Algérie, et Sharon déclare à Chirac C'est comme vous en Algérie, vous Français, mais nous, nous resterons. Ça, c'est intéressant. Il veut dire quoi, Sharon, et est-ce que ça parle à Chirac ben, Chirac, il s'est bien aperçu qu'il a fallu tirer les leçons de l'histoire, là. Oui, et euh, que le colonialisme c'était fini, et que c'était fini qu'il fallait prendre autre forme oui. de, de domination ou de, de Mais Sharon, donc, il se place Mais sur ce terrain. Il se place sur ce terrain, c'est-à-dire, il a la, la psychologie, la même psychologie que les colons français en, en Algérie. Il a la même, et il sait qu'il est en terre colon, colonisée. Il sait que c'est du vol et qu'il va falloir. Et il le sait. Il, il le il sait. Il faut ça. rappeler pour ceux qui ne le savent pas, et ça se trouve dans des livres de Roland, ça se trouve aussi dans un chapitre de Pourquoi Soral séduit. Soral défendait la colonisation française en Algérie en disant que c'était la seule chance déjà Algériens d'y retourner. Et donc il faut savoir que la colonisation française en Algérie a été d'une brutalité qu'on doit comparer aux nazis. Ça a été effrayant. Je me méfie des comparaisons historiques, mais la brutalité est telle que, par exemple, en, en, entre 1830 et 1848, l'armée française perd autant d'hommes qu'elle a en Algérie, c'est-à-dire 100 000 hommes. C'est énorme. Mais les Algériens perdent. Dans l'Oranée, la moitié de la population, mmh. et dans l'Oranée, le, dans le, le Titeri, le centre, et dans l'Est, le quart de la population. C'est-à-dire qu'en 20 ans, le tiers de la population algérienne, 1 million sur 3, disparaissent. Et puis ça va recommencer 20 ans après. C'est mmh. une hécatombe. La méthode Sharon. <laughs> la méthode Nagba. Ben oui, il y, y, y a tout, il y a tout, il y a, y a toutes les, tous les types de méthodes, notamment les massacres, les massacres ciblés, les appels à l'extermination, ça n'a pas manqué à Algérie. Hein. Ok, voilà sur la partie historique. Est-ce on peut dire, comme les partisans d'Israël le disent, que les juifs ont dû se faire, les sionistes ont dû se faire de la place en palestine, dans la région, parce que les musulmans ne voulaient pas les accueillir, parce qu'il y avait du racisme anti-juif. historiquement, ça vaut quoi, cette thèse? oui. pour dire en, en deux mots, c'est un peu n'importe quoi. Mmh. mais alors, les juifs ont été accueillis dans l'empire musulman mmh. tout au long de l'histoire. les juifs qui sont partis d'espagne de, de, mmh. ont été accueillis par exemple, mettons ce qui est le plus proche, c'est Oran. Ils ont été accueillis normalement à Oran, avec les réfugiés, qu'ils soient musulmans ou juifs. Quand les Espagnols prennent Oran, ils chassent les juifs. Et quand les, les Ottomans reprennent sur les Espagnols, ils ramènent les juifs pour montrer un peu mmh. quel était le rapport. Bon, en Palestine, c'est pareil. Il y a des juifs qui viennent et qui sont même des fonctionnaires de l'empire ottoman qui sont juifs comme fonctionnaires de, de, de l'empire ottoman en palestine et qui étaient même j'en ai connu un moïse Seltiel, mmh. qui est cité dans mon ouvrage qui était un ami et qui a, qui a refusé qui, était, qui faisait partie de ces juifs nés en palestine qui refusaient la création d'israël et pas des juifs religieux des juifs on pourrait dire laïques pour utiliser un langage moderne donc, on a un problème, c'est que cette théorie sioniste, en fait, elle nie complètement l'histoire. C'est du révisionnisme euh, historique. Euh, oui, voilà, oui. Ça, mmh. on, re, on refait l'histoire. Euh, bon, tout, tout dans le sionisme refait l'histoire. Même dans l'histoire, aujourd'hui, on a repris l'antisémitisme pour en faire quelque chose, comme j'ai vu, comme critique Maxime Rodinson on, on en fait mmh. un antisémitisme éternel qui va de, de, du jour de, de Moïse à aujourd'hui et qui voit dans toute manifestation contre des Juifs, euh, euh, toute critique même de la religion, ou toute critique de croyances, ou de, ou de la personnalité culturelle des Juifs, à plus forte raison d'Israël ou de sa politique, de l'antisémitisme. Bon. C'est de la propagande. Ça ne correspond pas à la réalité historique. On dira dans, dans mm -hmm. un combat, dans une lutte, c'est de bonne guerre, on dira. Sauf que si on veut regarder les choses et apaiser les choses, ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. On ne peut, peut pas accepter des choses pareilles. Alors, euh, on va venir à des choses françaises et actuelles. Euh, en France, ceux qui sont très actifs pour lancer l'étiquette euh, antisémite sur pas mal de gens, c'est le CRIF. Et euh, quelqu'un comme Ronnie Broman a qualifié le CRIF de principal porte-voix du gouvernement israélien en France. Oui, je... Le CRIF, ça représente les juifs ou ça représente quoi alors, le, il faut comprendre historiquement. Le CRIF naît à la fin de la guerre, au sortir de la guerre, où les Juifs, on met dans les Juifs tout, tout un tas de gens. Des gens qui sont, des, des gens qui sont religieux, des gens qui re, réclament le judaïsme, des gens qui ne s'en réclament pas, mmh. qui ont une ascendance juive. Ça veut dire quoi, une ascendance juive et même des gens qui se nient, qui, qui n'existent pas, qui ne savent même pas qu'ils ont une ascendance juive. Mmh. Mais le nazisme a mis tout ça dans un mmh. bain qu'on appelle juif. Donc il est compréhensible que naisse une organisation qui défende les juifs. Mmh. Tous. Même ceux qui ne se le revendiquent pas. Mmh. Donc c'est un, un produit historique. Mmh. À ce moment-là, se crée Israël, et le CRIF, petit à petit, centre sa politique sur la centralité d'Israël. Mmh. Donc, il, se, il est lié. Vous, il avez, lié à cette vous théorie, avez dans le CRIF des, doit être la patrie des toutes Jus. les associations. Vous avez des associations de défense de l'armée euh, d'Israël dans, dans le CRIF. Mais les gens du CRIF ne vont pas vivre en Israël. Mais non. Alors, d'après les, les chiffres que donnent des gens comme euh, un journaliste, là, comment s'appelle Je ne me rappelle plus le nom parce que Al Alzheimer doit me guetter. <laughs> euh, euh, comment dire Askolovitch. Mm -hmm. Il dit qu'il y, y a 5 à 10% des juifs français qui sont, euh, qui, qui sont, qui sont qui reconnaissent le CRIF comme une organisation. Mmh. Voilà. C'est-à-dire c'est une organisation communautariste, autoproclamée mmh. et quasi institutionnelle, puisque tout le monde va faire révérence au dîner du CRIF. Quels sont les différents courants juifs qui sont pas d'accord avec le CRIF ben, vous avez beaucoup de courants. D'abord, la masse des juifs, il faut dire. Si, si, si ça, c'est vrai, 90% à 95% des juifs ne se reconnaissent pas dans, euh, dans le. Dans le Christ. Alors, il y a des juifs antisionistes, il y a plusieurs courants, mais mm -hmm. ils sont ténus aujourd'hui parce qu'ils ont été submergés par. Il y a un antisionisme religieux. Des orthodoxes qui. Des orthodoxes. Des, des orthodoxes qui refusent. Certains, une minorité, puisque la masse des orthodoxes a défendu Israël au moment de sa création. Mm. Et en Cisjordanie, euh, la colonisation est faite aujourd'hui par des Juifs orthodoxes. Oui. Pas, mais vous avez même en Israël, euh, 30 000 Juifs qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, qui refusent par exemple de, prendre, euh, les, de payer les impôts, qui refusent les timbres de la poste, qui refusent toute existence d'Israël, au nom du judaïsme. Mmh. En disant, euh, le, Dieu ne nous a jamais dit de venir euh, en Palestine pour, pour en chasser les arabes, nous sommes nous de là, palestiniens, et, euh, et qui réclament même au gouvernement arabe de revenir à la situation euh, ex D'accord. Bon. Et, et, et la masse est à New York. Alors, vous avez ces juifs-là, euh, religieux, vous avez des, des courants qui viennent du Bund, c'est-à-dire d'un mm -hmm. du, socialisme bundiste en, en Pologne, en Russie, hein, et qui revendiquent... Oui, qui revendiquaient une autonomie culturelle des juifs. C'est-à-dire, qu'ils constataient qu'il y avait des discriminations oui. contre les juifs. Le tsar, notamment, c'était euh, des pogroms et c'était des bah, persécutions on, très on, fortes. On faisait même que les collecteurs d'impôts soient des juifs pour pouvoir, pouvoir euh, détourner les, les colères contre eux. Mm -hmm. Et oui. alors, ces bundistes étaient contre la création d'Israël. Mm -hmm. Il reste quelques bundistes aujourd'hui, c'est très peu. C'est-à-dire qu'ils voulaient que les juifs soient protégés, mais qu'ils soient intégrés dans, dans la société. Ils revendiquent. Ils revendiquent euh, comme c'est au fond dans, dans tout un tas de courants qui revendiquent le, le, un judaïsme culturel au XIXe mmh. siècle, même assimilé. Ici, en France, ils étaient assimilés parce qu'ils avaient beaucoup plus de droits que dans les pays d'Est. Là-bas, ils, ils demandaient un particularisme culturel. Mmh. En France, il n'y avait pas besoin puisque c'était toléré. En oui. fait. Après la Révolution française, on a mis fin à la discrimination. Euh, il a fallu fait. un moment. Et ça n'a pas été tout de suite. Non, Mais je a veux a... dire, c'est quand même un acquis. En gros. Voilà. en gros, mmh. mais les Juifs ont quand même, même assimilés, revendiqué une personnalité juive. Mmh. Bon, alors, aujourd'hui, la, la plupart des Juifs qui sont antisionistes euh, sont dans des courants euh, laïques, tout ce qu'on veut, il y a tout un tas de quantités de courants français ou internationaux de Juifs antisionistes. Évidemment, c'est une minorité parmi les Juifs, mais elle existe. Mmh. Hein On les voit sur le terrain, par exemple, de, de la défense de la Palestine, euh, du, du, du du courant sur le boycott ils sont là beaucoup bien on je constate que aujourd'hui malheureusement c'est la première fois que ça arrive nous ne recevons pas vos questions ça fait peur je sais pas <laughs> ce qu'il y a oui bon on va pas paniquer non, on non, continue non, non. Euh, ça doit être un problème technique euh, voilà euh, on a parlé de la gidéophobie on a parlé j'aimerais dire deux mots euh, en, il y a deux ans, je crois, ou trois ans, le gouvernement de Bernard Cazeneuve, qui avait succédé, je crois, à Manuel Valls, avait euh, dit qu'il fallait lancer une fondation de l'islam de France et que l'État devait s'occuper de la formation des imams dans les mosquées. Euh, pourquoi C'est l'inertie de la politique coloniale. Mmh. Alors, la chose rigolote aujourd'hui, quand même, pour dire en un mot, Beaucoup de gens disent, il faut faire comme avec les Juifs en 1800, avec Napoléon. Il a passé un accord avec eux, les Juifs, les Juifs faisaient des concessions et ils étaient reconnus par la République. Mmh. Sauf qu'on était sous un régime concordataire. C'est-à-dire... Il y avait une entente avec le pape pour les chrétiens. Oui. Alors, il a essayé d'imposer aux Juifs un régime du même type. Mmh. Napoléon. Oui. Mais aujourd'hui, l'État est laïque. Il n'y a pas de concordat sauf en Alsace-Lorraine, mm -hmm. donc c'est du bizutage. On veut appliquer aux musulmans un État qui existait, un rapport qui existait au moment du concordat. Bon, c'est rigolo, mm -hmm. c'est ce que j'appelle du bizutage historique. Mm -hmm. Mais on ne va pas demander mais ça aux autres religions. On ne va pas le demander aux autres. Les autres. Les chrétiens et les juifs ne doivent pas non, être non, là, sous tutelle. Là, non, là, il n'y a pas de problème. D'accord. <laughs> mais bon, la, les bons les, croyants les, et les mauvais croyants. Il faut, il faut dire. L'État français. En 1905, a fait la loi de séparation de l'État, sauf pour l'islam. Mmh. Sauf pour l'islam. Oui. C'est lui qui a continué à nommer les imams dans les mosquées en Algérie. Mmh. C'est lui qui a même réussi à pousser les Zawiyas, c'est-à-dire les, les confréries religieuses, à s'organiser en association culturelle dont il contrôlait les présidents. Donc l'État avait la main sur tout. C'est pas étonnant mmh. que les gens fuyaient. Les mosquées fuyez les confréries. Voilà. Voilà. Pourquoi le... il <laughs> y a intérêt à connaître l'histoire pour comprendre d'où on vient et les mouvements indépendantistes ré, ré, réclamaient l'application de la laïcité. Oui. Et okay. Ça on oublie parce ouais. qu'on veut que les musulmans soient paniques Ils ont toujours les mouvements réformistes qu'on appelle aujourd'hui salafos, mmh. je ne sais pas quoi, réclamé la laïcité en Algérie. D'accord. On apprend des choses. Alors, oui. on va le bouquin que je vous remontre là, euh, antisémitisme, judéophobie islamophobie, contient toute une série de euh, de, de petites choses euh, très intéressantes euh, pour comprendre comment tout ça s'est passé, comment tout ça s'est produit. Euh, J'aimerais qu'on dise un peu que en Israël, les sionistes sont racistes envers euh, les Palestiniens, mais il y a aussi pas mal de racisme entre juifs. Comment ça se fait En quoi ça consiste Il euh, y a un, un ministre israélien qui a dit si, euh, comment dire, si c'est les, si les juifs du Maghreb, des pays arabes, qui dirigent Israël, ce ne serait un autre État arabe. Ça veut dire qu'ils parlent d'une sous, sous-catégorie de juifs qui ont oui, pas. À... Ils il, il, il méprisent. C'est les Ashkenaz et les séfarades. Voilà. Et les séfarades, ça veut dire les, les gens. Du, du, C'était utilisé dans, pour l'Andalousie, la, pour, pour les juifs mm -hmm. euh, euh, du Maghreb. Oui. En, dans l'est, le, dans on l'appelle les misraïms, plutôt, c'est-à-dire mmh. en gros les Égyptiens. Quoi. Voilà. Mais, euh, donc, donc les euh, Juifs européens sont racistes envers les Juifs d'origine arabe. Le type même sur les affiches de l'armée israélienne, c'est un blond aux yeux bleus. Toujours. Ouais. C'est raciste, c'est profondément raciste. Mmh. C'est-à-dire l'Israélien, sioniste, le sioniste se voit comme le défenseur de la civilisation européenne, de la démocratie, sur la barricade de la barbarie qui est constituée oui. par l'islam, l'Asie, l'Orient. Enfin, bon, oui, Sharon et Panama ont toujours dit ça, euh, Mais... on vous défend contre les barbares. Voilà, donc c'est ça. Alors, euh, voilà. Alors aujourd'hui, on a des nouvelles générations d'Israéliens qui essaient de trouver leur place en essayant de, de trouver un État euh, israélien qui ne soit, euh, soit pas juif, etc. On verra ce, ce que l'histoire donne. Euh, le grand thème euh, sioniste, c'est l'idée que les euh, Palestiniens veulent jeter les Juifs à la mer. Ah. Il en est quoi Et, et qui est un peu euh, jeté au fond euh, Qui est victime de nettoyage ethnique S'il y avait encore de l'eau dans le Jourdain, les Palestiniens auraient été jetés dans le Jourdain. Voilà. <laughs> c'est ce qui s'est passé. Oui. C'est une formule de propagande. Mmh. Euh, tous les mouvements de, anticoloniaux de résistance ont utilisé cette formule. Le Viet Minh a utilisé cette formule en Indochine, jeter les Français à la mer. Mmh. Euh, les Français se plaignaient qu'en Afrique, euh, euh, les, les griots parlaient de jeter les Français à la mer, tout le monde a toujours essayé de jeter le conquérant à la mer. C'est une métaphore. Mmh. Mais les Juifs, euh, forts de, 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 de l'extermination de, de la Shoah et de tout ça, ils ont dit, vous voyez, ils veulent exterminer les Juifs, c'est-à-dire faire la même chose que... Euh, fait les, Mais les, aujourd'hui fait... encore, on dit le programme du Hamas veut jeter les Juifs à la mer. Oui, bah, on peut toujours le dire. Mm -hmm. Mais la réalité, il ria... y a quoi dans le programme du Hamas Alors, le Hamas, il a une, une parole double. Mm -hmm. Aujourd'hui, il est arrivé... Bon, il ne il, il reconnaît pas l'entité sioniste comme euh, légitime. Mm -hmm. Mais euh, je veux palest... Aucun palestinien. Bah, au fond, de lui, aucun palestinien. Mm -hmm. Exactement comme un israélien... Euh, n'a jamais reconnu euh, les, les États du Moyen-Orient comme des États légitimes mmh. puisque le programme de l'Icône ça a été de démanteler l'Irak, démanteler la Syrie, démanteler l'Égypte en créant un, un État copte co et puis un... démanteler l'Algérie, c'est-à-dire il ne faut pas dire que ne pas reconnaître la légitimité d'un État sioniste, mmh. euh, c'est vouloir l'extermination. C'est un, un antisémitisme. Ça a, donc c'est une rien différence entre l'État comme institution politique, un État et raciste, la société et les citoyens, bon, alors, les êtres humains. Okay voilà, c'est voilà. ça. Bon, donc c'est facile de créer. Euh, c'est comme le euh, comment dire, l'OS en Algérie euh, euh, mettait le cercueil ou la valise. Mmh. C'est-à-dire, vous voulez faire croire que les Algériens ils ne rêvaient que d'une chose, c'était d'exterminer les, les Roumis. C'est un peu l'inversion de l'agresseur et de l'agressé dans cette histoire. -là. Exactement, exactement. Alors, venons un peu à la situation maintenant en France. On dit l'antisémitisme augmente. Qu'en est-il Alors, d'abord, toutes les statistiques sont fausses. Bon. Il y a une statistique, il y a un. Un rapport du ministère de l'Intérieur qui dit simplement 3% des actes, en gros, des actes, des, pas des actes, mais des manifestations racistes, c'est-à-dire injures, paroles, etc., sont recensés. Donc des gens qui vont mmh. faire des statistiques sur la comparaison entre les actes contre les anti-juifs ou anti-musulmans, musulmans, religion ou pris comme religion, les deux pris comme religion ou ethnicisés, d'ailleurs mmh. euh, on confond allègrement tout ça, sont fausses. Donc quand on dit un juif a 25 fois plus de chances, malheureusement, d'être euh, euh, blessé par des conduites comme musulman, c'est faux. Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes anti-juifs. Mm -hmm. D'accord oui, oui, bon, c'est clair. Alors, euh, ceci dit, le, le, toutes les statistiques montrent que euh, la... La, comment dire, les, 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 les juifs sont les mieux acceptés dans la société comme religion ou, ou, ou groupe à part par rapport aux musulmans, aux noirs, aux musulmans et surtout aux Roms. c'est les pires, ceux qui sont le ouais. plus mal traités. Alors, il y a eu ces dernières années des assassinats dus à, des, à ce qu'on appelle Daesh, etc. Bon, mais qui se placent dans un... un Est-ce que, est que Daesh est anti-juif Ben oui, il est anti-juif, il est anti-tout. Les, les... Daesh, c'est beaucoup de musulmans. Et, 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 C'est-à-dire Daesh a une vision exclusiviste de, de, sa, de sa revendication d'un islam qui est même pire que l'islam salafiste de l'Arabie saoudite. Mmh. Puisque si, si l'islam de l'Arabie saoudite, l'islam salafiste, comme courant religieux est... Euh, comment dire, vraiment intolérant, puisqu'il ne supporte mmh. ni les chrétiens, ni les juifs, ni les soufis, ni rien du tout, ni les autres courants juridiques. Il y en a des dizaines dans l'islam, mais il ne considère que le sien. Là, on le on passe en pratique par la, la, la politique de terreur, qui mmh. est revendiquée, qui est revendiquée oui, par Daesh. C'est euh, un politique, programme politique, et ce un pas programme politique la de sauvagerie, revendiqué, mmh. de sauvagerie. Vis-à-vis -vis de tous les courants autres. Mmh. Alors, par exemple, il y a eu une mosquée soufie euh, à côté de le, euh, dans le, dans le, le Sinaï où il y a eu 300 morts quand même il y a deux ou trois ans. Alors, ce qu'il y a, c'est que là-dessus, on parle de. On, on, assimile, on assimile les Occidentaux à des chrétiens et, mmh. et les sionistes à des juifs. On crée l'amalgame et on parle des croisés et des juifs dans le, dans le vocabulaire de Daesh. Quelle est la base de ça ben C'est le rapport avec les impérialismes ou avec l'État d'Israël. Mais évidemment, c'est une connerie monumentale que l'on ait transformé ça en, en quelque chose de religieux. Voilà. Mmh. Donc, euh, mais y a une... Donc, certains disent qu'en fait, euh, Israël, de par sa politique, produit beaucoup de ce qu'on appelle antisémitisme et qu'il faudrait ah bah, appeler euh... judéophobie. Ah judéophobie. Bah, évidemment, Israël dans, dans la mesure où il y a une racisme. oppression une oppression de gens qui se disent juifs. Mmh. C'est pas rien. Ben oui, ils disent eux-mêmes, euh, c'est parce qu'on est juif qu'on fait ça. Bien sûr. Mmh. Et vous voyez, ils sont. Euh, alors nous, on est juif, donc on tape sur les Palestiniens parce que c'est des barbares, mais eux, s'ils se défendent contre les juifs, ah, c'est des antisémites. Bon, c'est mmh. un jeu. Là, on est dans oui, le oui, jeu de langage. De, de, mais de ça, langage. Veut dire que, ça veut dire qu'au-delà du langage, Israël fait du tort aux juifs. Il euh, y a beaucoup de juifs qui le disent. Mmh. Il y, a, il y a... Bon, à la, à la fin de mon bouquin, je parle de... Il y a des courants juifs, des juifs qui parlent d'islamophilie ravageuse. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'alignement la, des juifs du Khalif et d'autres courants sur la politique de Netanyahou qui n'est même pas la reconnaissance, puisque pour lui, le, le palestinien, ça n'existe pas. Mm -hmm. et, comme disait Begin, c'est des bipèdes, ça ne vaut pas plus. quoi. Euh, c'est ravageur parce que... C'est une position de force dans la société euh, qui arrive à avoir l'appui des, des gouvernements, etc., mais qui peut se retourner contre eux, c'est-à-dire on, qui en fait une caste représentative d'un monde, d'un cosmos contre le chaos, en quelque mmh. sorte. Euh, et qui peut se retourner contre eux, parce que le jour où ils tombent, ben, il peut le y avoir... Le jour où le rapport de force va changer le... au Moyen-Orient et dans le monde, qu'est-ce qui va arriver ben, ben, Il peut se passer n'importe quoi. Mm. Donc il faudrait justement parler pour la réconciliation, arrêter de Alors... dire que c'est un problème de religion, de dire que c'est un problème de colonialisme. Bon. Ce n'est notre... pas un problème de religion. Il y a des aspects religieux, naturellement. Mm. Mais, et ils euh... sont utilisés ils sont manipulés. Mmh. Bon, même chez les musulmans, il y a des gens qui, qui prêtent le flanc, au, euh, qui vont chercher dans le Coran des conneries mmh. sur les juifs, ce qui, ce qui est impropre, ce qui ne veut rien dire du point de vue, comme si, comme les, les juifs qui vont chercher dans la Bible, euh, les appels à l'extermination des autres. Mmh. Bon, mais c'est de la eau tout ça. Tout ça, c'est de la bêtise, malheureusement, qui est criminelle. C'est de la bêtise qui, qui se paie en sang et en oppression. Mmh. Mais euh, ce n'est pas le contenu du mouvement. Alors, je, je donne par exemple ici, si, si je peux dire. Euh, oui, oui. Euh, je peux dire qu'il y a une. Euh, la grande mode, la, la dernière bêtise de ce type, c'est Bernard Henri Lévy, qui ne rate pas le truc, parce qu'il explique. Les Palestiniens ne peuvent pas se prévaloir de ce qu'on dit, qu'on a fait payer la faute d'un peuple, l'Europe à un autre, les Palestiniens, puisqu'ils étaient nazis. Parce que oui, le oui. nazisme n'est pas. C'était pas allemand, c'était international. Les Arabes étaient nazis, les Perses étaient nazis, tout le monde était nazi. Or, l'Europe a dénazifié, même le Japon, on demande comment ils ont fait, mais pas les Arabes. Et donc, les Palestiniens sont responsables de l'oppression. Ils sont responsables de la Shoah, et aujourd'hui, ils n'ont que, que la monnaie de leur piège, mmh. en quelque sorte. Donc, quand même on, arrive à des, on arrive à des bêtises, mais c'est… C'est, comment dire, euh, cosmique, là. C'est quand même frappant que quand ce monsieur BHL passe dans les médias en France ou en Belgique, il n'y a jamais un journaliste pour lui euh, poser un peu une ou deux questions gênantes et lui dire, mais historiquement, ça ne tient pas debout, ce oui, que vous oui, dites. Oui. Comment ça se fait, ça C'est la, la pression, le chantage à l'antisémitisme, on appelle ça. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Euh, Denis Siffer en avait parlé dans un article dans les années 90, de chantage antisémitisme. l'antisémitisme. Mmh. Ça. Il y a eu un livre euh, signé par plusieurs intellectuels juifs en France, d'ailleurs, il y a quelques années, oui. qui parlait de l'insupportable chantage à l'antisémitisme. Voilà, bon, euh, c'est mais... un truc pour euh, d'autres objectifs politiques, en fait. Bien sûr, c'est un truc, ça, mmh. ça, ça, c'est pour justifier la colonisation. Alors, il est difficile quand même de dire qu'en Palestine, il n'y a pas de nettoyage ethnique, et il n'y a pas de colonisation, et qu'il n'y a pas de, de statut inférieur des Palestiniens. Enfin, il faut, Donc il faut, 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 faut rester comme à l'école, c'est celui qui le dit, qui le fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Bien, écoutez, je crois que vous avez pu voir que ce bouquin, il est vraiment passionnant. J'ai posé juste quelques petites questions pour vous donner une idée, pour vous donner envie. On voit dans la table des matières qu'on a encore beaucoup de choses. Sur les races dites sémitiques, l'Algérie, l'Ancien Régime, Marx et la question juive, sur L'antisémitisme la ouvrier. L'antisémitisme dans la classe ouvrière, ça, ça, oui. Ah, deux mots c est, c est... Ben, Moi, j'ai découvert ça. Mm -hmm. Je dois dire, j'ai je... découvert. Alors. C'est des théories qui ont, euh, comment dire, qui, qui ont germé dans la tête de Fourier, par exemple. Mmh, et un de des Proudhon, grands théoriciens de... du socialisme euh, alors, utopique, comme on dit, vers 1830-40. Euh, oui, alors c'est lié quand même à la question de la colonisation. Mmh. Parce que le socialisme de Fourier était pour la colonisation. Mmh. Il prenait la colonisation. Quant à Proudhon, il, il pestait contre l'Empire parce qu'il aurait fallu installer en Algérie 2 millions de, de colons. Alors ça, c'est un côté qu'on oublie chez le Proudhonisme, l'autre qui est vanté par des gens comme Anfrais. C'est très faible, quand même, dans un côté... Certains, des théoriciens, euh, oui, aujourd'hui, on, on vend Proudhon. Oui. Oui. Et de l'autre côté, alors c'était dans, dans des écrits privés que, que le fait Proudhon, mais il réclame carrément l'extermination des Juifs, c'est-à-dire ils n'ont rien à faire dans la société, c'est la pourriture, la lie. Ils reprennent tous les vieux thèmes de, 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 de la judéophobie chrétienne et ils y ajoutent une judéophobie anticapitaliste, on pourrait dire, mm -hmm. euh, qui est complètement. Alors, il revendique, que, par exemple, Foiret, ils il n'ont pas droit à la nationalité française. Il reprend, mm -hmm. il, il se rend, il rentre dans le débat de la Révolution française, sur est ce que les Juifs sont un, euh, ont, ont des droits ou pas. Le grand Lui, retour il refuse arrière, le grand il refuse. Retour en arrière, il refuse. Euh, et le, le refus de la Donc, démocratie. on fige les positions de euh, comment dire de la judéophobie chrétienne, qui s'ajoute à une judéophobie contre les riches, le juif, mmh. c'est l'usurier, etc. On s'appuie sur ces, ces clichés-là et on, on réclame leur disparition. OK, vous voyez qu'il y a encore plein de choses passionnantes, euh, mais l'heure est là. Je signale encore euh, l'école, euh, les ghettos, la nouvelle peur des barbares, l'antisémitisme supposé des Gilets jaunes, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses. Je le remontre encore. Antisionisme, gidéophobie, islamophobie, quelques mises au point de Roland Lafitte. Je crois vraiment, pour résumer ma pensée comme lecteur, que ce bouquin il est très utile. Un, parce qu'il est très précis sur les notions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas employer n'importe quel mot pour dire n'importe quoi. Il faut vraiment bien définir de quoi on parle. Ça, je crois que c'est très éducatif. Et deux, il nous montre qu'on doit absolument connaître l'histoire, sinon on se fait complètement avoir par les manipulations d'aujourd'hui. Ça, c'est un thème euh, que nous euh, tenons beaucoup à développer. Je vous signale justement qu'on va organiser à Paris un débat le 4 décembre. Je vous montre l'affiche dans un instant, la voilà. Euh, je la fais descendre. Euh, 14, 18, 40, 45, que nous cache l'histoire officielle Où je vais interroger Annie lacroix historienne, Jacques Poel, historien, Fadi Kassem, professeur d'histoire et géographie, et pourquoi on organise ce débat avec Investigation C'est donc le 4 décembre et si vous voulez des infos, vous vous adressez pardon, à investiaction.paris.gmail.com, on fait ce débat parce que c'est justement très à la mode maintenant, la révision d'histoire, la censure de l'histoire, on nous raconte n'importe quoi sur 14-18, sur 40-45, sur les, la soi-disant épuration en France, sur, euh, le, le, là tout récemment, le Parlement européen a voté une résolution disant qu'au fond, la guerre 40-45, c'était la faute de l'Union soviétique. Donc ça, c'est hallucinant. On va montrer que ces gens ne connaissent pas l'histoire ou bien ils se sont fait avoir et un débat est important. Euh, donc voilà, je vous recommande ce débat dont je vous montre l'affiche une dernière fois. Euh, ici, euh, le 4 décembre à 19h, que nous cache l'histoire officielle avec trois historiens Vous n'allez pas le regretter. Euh, deux mots encore. Euh, pour l'instant, on est en train de nous informer beaucoup sur la Bolivie que Evo Morales n'aurait pas gagné l'histoire, les, les élections, et qu'il y aurait des fraudes, etc. Je vous mets en garde. C'est un scénario classique qui a déjà été employé plusieurs fois, notamment au Venezuela contre Chavez et dans d'autres pays, quand les euh, protégés des États-Unis et de l'Europe savent qu'ils vont perdre des élections. On Fait toute une propagande avant avec des sondages qui sont en réalité fabriqués, comme l'avait montré ce livre coach Chavez, CIA contre Venezuela, d'Eva Gollinger en 2005. J'avais préfacé ce livre parce qu'il montrait que les États-Unis avaient mis beaucoup d'argent, y compris dans le financement de soi-disant instituts de sondage. Et la fonction, c'est de faire avant les élections des soi-disant sondages pour dire bah, c'est tout juste, peut-être que l'opposition va gagner alors qu'on sait que c'est faux. Et dès que l'élection, les résultats sont programmés, on dit voilà, il y a de la fraude et ça, c'est pour provoquer des incidents. Les gens qui disent maintenant qu'il y a de la fraude, il faut rappeler que ce sont les gens qui ont déjà tenté un coup d'État avec la CIA contre Evo Morales il y a quelques années. Et donc, il ne faut absolument pas se faire avoir par ce genre de euh, propagande maintenant. Il faut vraiment s'informer euh, en direct et écouter l'autre partie pour ne pas se faire avoir par la propagande de guerre. La, mardi prochain. Il n'y aura pas d'émission Michel Midi. J'ai du travail pour sortir mon prochain livre sur la gauche et la guerre dont on vous informera bientôt. Je reprendrai Michel Midi dans 15 jours, c'est-à-dire le 5 novembre. Le 5 novembre, on va parler de la Chine, capitaliste, socialiste, les rapports avec les états unis qu'est-ce qui se passe là-bas, en quoi ça change le monde. Ce sera avec un des meilleurs spécialistes que je connaisse, Frank Willems. Ce sera donc le 5 novembre et d'ici là je vous souhaite une bonne journée je vous donne rendez-vous pour ce prochain Michel Midi au service de l'information et de l'info indépendante Roland un très très grand merci eh euh, j'étais très heureux de participer à ton émission voilà. merci <laughs> et à bientôt pour une nouvelle bataille de l'information